Écoutez, Paul, je pense que tout va bien se passer désormais, d'accord? Votre femme vous a quitté, mais vous êtes encore jeune. Vous avez toute la vie devant vous. Je vous remercie encore de m'avoir fait confiance, Paul. Et si jamais vous rechutez, n'hésitez pas à m'appeler à nouveau. Au revoir, Paul. C'est qui? On avait rendez-vous. Je suis heureuse de te rencontrer. Depuis longtemps qu'on se parle au téléphone. Tu m'as sauvé la vie. C'est à moi d'en faire quelque chose d'utile désormais. Tu peux entrer, vas-y. Donc je te fais le topo rapidement, puisque finalement, étant de mes anciens clients, je sais pas si on peut dire ça, ça fait un peu bizarre. Enfin bref, l'association s'appelle Appel à l'aide. On existe depuis 2 ans maintenant, enfin je dis on. L'association c'est juste moi en fait. Ça a commencé par hasard avec une erreur dans l'annuaire. Ils ont interverti le numéro d'ASO suicide avec le mien. Heureusement plus personne n'utilise l'annuaire, sinon j'aurais été débordée. Enfin me voilà avec ces gens qui m'appellent moi. Et comme je suis insomniaque, j'ai fini par me prendre au jeu. Donc je travaille la journée et je fais ça la nuit. Ce qui t'arrange toi aussi? Enfin je suppose. Oui, je suis moi-même insomniaque, comme tu le sais. Depuis tellement longtemps que je ne sais même plus quand ça a commencé. Moi, c'est depuis mes premières règles, il paraît que ça arrive jamais, genre un cas sur 2 millions. C'est un choc post-traumatique ou un truc du genre. Ça fait que je suis pas vraiment insomniaque, c'est plutôt comme si mon corps n'avait tout simplement pas besoin de dormir. Et c'est pareil, au niveau de Louis, je suis devenue hypersensible. Enfin, t'es obligée de t'approcher autour de moi, ça me stresse. Pardonne-moi, mais tu as tellement essayé de m'empêcher de me tuer par téléphone, alors que ta seule beauté aurait suffi à m'en dissuader. Je ne suis pas si belle que ça. Magnifique. L'une des plus belles femmes que j'ai jamais rencontrées. Tu dois avoir au moins 10 ans de plus que moi. J'ai envie de t'embrasser. Écoutez, David, je ne peux pas vous aider si vous ne me dites rien. Je vous l'ai dit et redit. Quoi que vous me racontiez, je ne vous jugerai pas, et je dirai rien à la police, si tant est qu'il y ait quelque chose à dire. Je suis moi-même de la police. Non pas que j'aime vraiment ça. Vous savez, je viens d'un endroit où on n'aime pas beaucoup les flics. Là d'où je viens, disons qu'on est plutôt de l'autre côté de la barrière, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai commencé à gagner ma vie en cambriolant des baraques. Ça a duré 2-3 ans, jusqu'au jour où mon complice s'est fait choper. Il m'a jamais balancé, mais après ça, j'avais trop peur. Je suis pas, vous savez... Je suis pas le genre de mec intelligent, bardé de diplômes ou quoi que ce soit. Moi, je suis plutôt... Enfin... Je suis rentré dans la police en me disant qu'au moins, j'aurais pas beaucoup à réfléchir, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis c'est là que j'ai rencontré Céline. J'étais fou amoureux d'elle. C'était pas la plus belle fille que je connaisse, c'était autre chose. Elle avait toutes ses pratiques sexuelles, comment dire ça? C'était bizarre, vous savez. Mais il y avait une part de moi qui était attirée par ça. Vous voulez dire quelque chose comme le sadomasochisme? Non. Plus des trucs, comme l'oculolinctus. Vous voyez? Pas vraiment. C'est quand... Vous léchez l'œil de votre partenaire. Je comprends. Ça doit vous paraître dégueulasse, dit comme ça. Elle avait vu ça dans un film japonais, je crois. Enfin, vous savez, quoi. Quand on aime, on est prêt à tout. Mais tout a changé le jour où elle a voulu tenter une nouvelle pratique. Vous connaissez la drogue du violeur? Nous, on appelle ça le GHB. On en saisit assez régulièrement. Surtout depuis qu'ils en ont parlé à la télé, ça donne des idées à pas mal de gens. Bref, elle a voulu que je lui en donne. Et qu'après, je fasse comme si je la violais. J'ai adoré ça. Et elle, non.
souvenait de rien. Elle se sentait mal, vraiment. Notre relation s'est... comment dire... détériorée au fur et à mesure du temps qui passait. Écoutez, à entendre votre voix, je dirais que vous êtes plutôt jeune. Vous savez ce qu'on dit. Une de perdue, 10 de retrouvée. Vous me prenez pour qui? Pour un de ces jeunes branleurs de merde qui s'apitoient sur leur sort parce que leur copine les a quittés? C'est pas ce qui m'arrive, bordel. Alors écoutez-moi au lieu de balancer des conneries. Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai rencontré d'autres filles après Céline. Quand ça devenait un peu sérieux, je leur parlais du GHB. Je ressentais comme un manque, vous comprenez? Mais rien à faire. Aucune d'entre elles n'a jamais voulu. Alors, je trouvais une raison ou une autre et je les quittais. Puis j'ai compris que Céline était unique. Et c'est là que tout a dérapé. J'ai commencé à suivre des jeunes femmes jusque chez elles. J'enquêtais un minimum pour m'assurer qu'elles soient bien seules. Et la nuit, quand elles dormaient, je crochetais leurs serrures. Je les endormais au formol pour être sûr qu'elles ne se réveillent pas. Et là, je... j'en avais besoin, vous comprenez, j'en avais besoin. Merci. Merci de m'avoir écouté. Je garde les yeux ouverts. David ? David ? Vous êtes là ? David ! David ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'il vient de se suicider. Pourquoi tu pleures ? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis pas ce genre de fille. Écoute, un homme vient de mourir. Je crois que c'est pas le moment qu'on parle de ça. Tu comprends ? Je suis pas toujours accouchée aussi. Chut. Un homme vient de mourir. Je vais appeler la police. On verra ça une autre fois. Il était normal qu'un jour ou l'autre, ce genre de choses nous arrive. Nous ? C'est à moi que c'est arrivé. Seulement, on n'avait pas... On n'avait pas quoi ? On n'avait pas baisé ? Tu crois pas que je me sens déjà assez mal à cause de ça ? Tu crois que ça aurait changé quelque chose ? Tu crois qu'il aurait pas mis ce putain de flingue dans sa bouche ? Il ne cherchait pas d'aide. Il cherchait une écoute. C'est tout. Il avait décidé de le faire. Il voulait juste se confier à quelqu'un avant. Si seulement je l'avais rencontré ou... je sais pas... Je comprends ce que tu ressens. Écoute, on arrête tout ça, d'accord ? On ferme l'association, on change de numéro, et c'est fini. On trouve autre chose à faire la nuit. On peut sortir, on peut... Le téléphone sonne. Ne le décroche pas, sinon je m'en vais. Association appelle à l'aide, que puis-je faire pour vous? Alors c'est vous, la dernière personne que David ait appelée. Qui êtes-vous? Vous vous appelez appel à l'aide et vous n'aidez même pas. Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas vous qui l'avez poussé à le faire, espèce de détraqué? Vous aimez ça, jouer avec la vie des gens? Vous vous prenez pour Dieu? On vous appelle au secours et vous poussez les gens à se suicider, c'est ça votre jeu? J'ai besoin d'aide. J'espérais que vous rappelleriez. Vous croyez que vous serez capable de me sauver? Je vais essayer. Qui êtes-vous? Ça faisait un an que David et moi étions en couple. Et 6 mois que nous vivions ensemble quand il a décidé de... Écoutez, je suis désolée. J'ai jamais voulu... Vous n'avez pas à vous en vouloir. Le monde se porte certainement mieux sans lui. Que vous a-t-il raconté? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Il ne vous a pas parlé de moi, n'est-ce pas? Non, je ne savais pas qu'il était en couple. David et moi, on s'est rencontrés de manière étrange. Il travaillait dans la police et... comment dire... Je suis venue porter plainte pour viol au commissariat. David m'a écoutée. Il était si gentil. Au fur et à mesure qu'il enquêtait, on a fini par tomber amoureux.
il a trouvé l'homme qui m'avait fait ça et l'a envoyé derrière les barreaux. C'était mon sauveur, l'homme de ma vie. Cet enfoiré a fait un testament dans lequel il me laissait la clé d'un coffre à la banque. Et vous savez ce que j'y ai trouvé ? Non, je ne sais pas. Dites-moi. Une lettre avec écrit « Excuse-moi ». Et des putains de DVD le montrant en train de violer des femmes endormies. Voilà ce que j'y ai trouvé. Vous devriez aller voir la police. La police ? Mais cet enfoiré faisait partie de la police. Et il est mort. Comment voulez-vous qu'il m'aide ? Et vous savez, qui était la dernière victime sur ces vidéos ? Écoutez, reprenez vos esprits. Je pense qu'il faut que vous me rappeliez demain. La dernière personne, c'était moi. L'homme qui a moisi en prison ne m'a jamais violé. C'était David le responsable. C'est difficile de me mettre à votre place. Je vous rappellerai demain. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je la rappelle. C'est hors de question. C'était elle, c'est ça ? Oui, c'est la copine du flic qui s'est suicidée l'autre jour. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ce putain de boulot. Elle cherche à te faire culpabiliser. Non, elle cherche à faire la même chose que lui. Ça va trop loin tout ça. On ne peut pas enlever toute la tristesse du monde. On peut essayer. Si tu la rappelles, c'est fini entre nous. Elle rappellera demain de toute façon. Je vous avais dit que je vous rappellerais. Oui, vous devez être la fameuse Camille, je suppose. C'est exact. Et vous, vous êtes ? La présidente de l'association Appel à l'aide. Et je ne veux plus que vous appeliez, c'est compris ? Ça vous est égal ce que je pourrais faire ? Justement, c'est pour ça que je ne veux plus que vous appeliez. Vous n'avez pas idée du mal que la mort de David a fait à Yann. Et vous croyez que c'est comparable à ce que je vis ? Je ne veux pas que ça le devienne. C'était qui ? Info numéro. C'est qui ? Je travaille pour Appel à l'aide. C'est moi que vous avez eu au téléphone. Comment avez-vous eu mon adresse ? Il y avait le nom de David dans la rubrique nécrologique. Alors j'ai juste été chercher son adresse sur Internet lors de notre premier coup de fil. C'est trop tard. J'ai déjà pris trop de médicaments. Dans une heure, peut-être moins, je serai morte. Alors permettez-moi de passer ces derniers instants avec vous. Je peux entrer ? Si vous voulez. Vous savez, la vie est précieuse. C'est dommage d'en arriver là. J'ai moi aussi voulu en finir il y a quelque temps. J'ai compris que ce que je suis n'est pas une malédiction. De quelle malédiction parlez-vous ? Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui veut se suicider va de toute façon mourir. Alors pourquoi ne pas servir à quelque chose avant ? Que voulez-vous dire ? Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous me faites déculpabiliser.